Agathe Oprou, que devient l'ancienne chroniqueuse de TPMP? Plusieurs années après son départ de l'émission TPMP, Agathe Oprou continue son travail de journaliste. Récemment, elle a fait part de l'un de ses derniers projets sur les réseaux sociaux. Elle a figuré parmi les fortes têtes de l'émission TPMP. CIST en 2017 que le public découvre, ou redécouvre le visage d'Agathe Oprou lorsqu'elle rejoint le célèbre programme animé par Cyril Hanouna. Grâce à son franc-parler et son sens de la repartie, elle devient rapidement une figure incontournable du programme. L'occasion pour elle d'acquérir une notoriété importante. Cependant, en mars 2019, soit près de 2 ans après ses premiers pas dans l'émission, Agathe Oprou annonce son départ surprise, évoquant le besoin de se consacrer à d'autres projets professionnels et personnels. Depuis, Agathe Oprou n'est restée pas inactive. Elle a rejoint l'émission Balance ton post, toujours sur C8, également animée par Cyril Hanouna. En parallèle, elle se lance dans de nouveaux projets, y compris l'écriture. Cette même année, elle publie son livre Tout va bien, dans lequel elle évoque son combat contre un lymphome, une maladie qu'elle avait révélée publiquement en 2018 sur les réseaux sociaux. Agathe Oprou est très active sur les réseaux sociaux. Si elle est moins présente sur le petit écran qu'auparavant, Agathe Oprou continue de se consacrer à sa passion pour le journalisme. Au mois de mai dernier, elle a d'ailleurs annoncé son nouveau projet, celui d'assurer les Lives de la Flamme, en collaboration avec France Télévisions. Cette opération prendra place à proximité des villages olympiques et du parcours de la Flamme afin d'encourager un maximum de monde à participer, avec cette volonté de favoriser un dialogue entre les citoyens et le monde sportif, a-t-elle expliqué sur son compte Instagram, avant d'ajouter. Ma petite personne et mon micro seront prévus sur place pour venir vous rencontrer, parler de sport, de l'esprit olympique et de ce que vous voulez. Une vie toujours aussi.